Il peut pas, c'est un truc, je sais pas comment. C'est comme si tu es sous, c'est comme si tu es sous l'emprise même. C'est comme si tu y avais deux personnes en toi et puis tu luttes même. Donc ce que vous voyez dans la rue qui. En fait, c'est ton instinct, c'est ton instinct femme, c'est bon, c'est le truc qui est femme en toi là qui réagit, quoi. C'est un peu ça. Tu luttes avec toi-même. Tu luttes avec. C'est pas que genre on me menace. Hein. Dans le contexte où je dis on me menace, c'est que si je révèle certainement ici, là, celle-là, il peut avoir des soucis. Voilà. Mais il n'y a pas dit nom de quelqu'un aussi. Parce qu'actuellement, ceux qui sont dans le live vont peut-être regarder. Ceux qui connaissent ma voix, peut-être vont m'écrire T'as pas après. de problème, ça ne regarde que eux. Donc du coup, tu dis que tu luttes Mais en avec tout quelque cas. chose. Tu veux arrêter, mais tu luttes avec le truc. Mais c'est pas facile. Oui. Voilà, c'est pas facile parce que. Toi, petit, comment quelqu'un, vous-même, vous trouvez ça normal? Comment quelqu'un qui est né, il voit en bas de lui, voilà quelque chose qui est en bas de moi, il voit en bas de l'autre, voilà quelque chose. Même il sait déjà que comment il doit se comporter. Mais quand la personne a une déviance sexuelle déjà là, ça doit interpeller tout le monde. C'est bizarre. Sinon, eux, tous les groupes, là, eux, ils savent qu'ils ont geeké. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Les gens comprennent pas en fait, c'est dur. C'est difficile. Tu luttes avec toi-même. Après ça, certains, eux, ils ont déjà abandonné quoi. Si vous voyez un homme qui prend une perruque, qui s'est travesti sur les réseaux. C'est parce que. Les gens vous disent, les gens, moi souvent je regarde des vidéos des gars qui se travestissent sur TikTok. Les gens viennent les insulter. Les gens viennent les insulter. Mais Quand ils voient les commentaires. on a écouté le témoignage de Samuel tout de suite là. Il y a Samuel qui a dit que lui, il a pris le courage d'arrêter tout d'un coup. Est-ce Il que a vous avez senti. expliqué dans le contexte? Est-ce que vous avez expliqué dans le contexte? Il était à bout. Et puis Dieu a mis les moyens à sa disposition pour qu'il arrête. Parce qu'il a réellement cherché Dieu. Moi, ici, on, il ne peut pas dire actuellement, il cherche Dieu fort fort, mais il le cherche vraiment. Il a besoin de lui dans ma vie. Parce que vraiment, c'est difficile. C'est difficile. C'est pas facile pour tout le monde. Il y a une dame qui m'a vu la semaine passée. Il la connaît même pas. Elle m'a arrêté dans la rue. Que mon petit, je vais te parler. Y a eu peur un peu parce que c'est une vieille femme. Elle me dit, tu sais que toi, ton étoile brille. Il dit, ça, on m'a déjà dit à l'église plusieurs fois. Là, il a donné ma vie à Dieu. Et puis, genre, c'est pas après la vieille là. Même avant-hier, un de mes amis en a parlé. Il y a des amis qui prient beaucoup, qui m'invitent à les cultes, tout ça. Ils voient que ces deux temps-là, tout le monde met l'accent dessus. Faut beaucoup prier, faut beaucoup prier. C'est un signe. C'est un signe. Peut-être c'est la fin qui approche. Dieu veut m'ouvrir les yeux. Mais tu C'est un dis tu signe. cherches Dieu fort fort. Est-ce que tu as commencé à aller dans une église? Est-ce que tu as commencé à faire toi-même le premier Oui. pas? Parce qu'il Oui, va oui, il oui. vient il vient Dieu il vient vers toi. Mais est-ce que tu as Oui. cherché à aller dans une église ou bien Oui. voilà, parce que nous aujourd'hui là, si moi je suis en train de te parler aujourd'hui. Moi je te dis honnêtement, tu as 20 ans, tu as toute la vie devant toi. Tu as 20 ans. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de te parler là, tu dois avoir le courage de dire, ah, vraiment, j'ai compris. Mais j'ai besoin qu'on me soutienne. J'ai besoin qu'on soit plus proche de moi. Tu as 20 ans, champion. Tu n'as pas 30 ans, 40 ans, 50 ans. Tu n'as même pas 60 ans pour dire que non, là, comme il a déjà fait toute sa vie, voilà. Tu as 20 ans. Dès maintenant, tu dois te décider. D'après toi-même, ça fait un an. Que tu es là, tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore rentré dedans et tout et qu'on sort. Mais si ça fait un an, c'est que tu peux arrêter. Précisément, Tu peux précisément, tu, tu peux arrêter, tu peux sortir de ça. Maintenant, c'est quoi? Est-ce que tu es prêt à te donner à la prière? Est-ce que tu es prêt oui. à aller à l'église? Est-ce que tu es prêt à vraiment travailler dans le sentier de Dieu? Est-ce que tu es prêt? Parce que
En tout cas, donner sa vie à Dieu, là, c'est plus difficile que toute autre chose. Hein. C'est très difficile. Parce que parler de Dieu, c'est facile. Mais rentrer dans la foi, c'est encore très difficile. Très bien. Donc, si tu décides d'entrer, mais tu as 20 ans, tu es là, tu dis, je peux, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Non. Commence à te décider dès maintenant. Parce qu'on va beau faire, on va beau parler. Si toi-même, ton âme, toi-même, ton corps n'accepte pas le changement, tu n'auras pas le changement. Tu n'auras pas le changement. Il faut essayer de défier beaucoup les choses. Parce que j'ai comme l'impression que tu rigoles avec quelque chose qui est en train de tuer l'enfant de Maïmouna, en fait. Parce que l'enfant de Maïmouna, ce dont on est en train de te parler là, c'est en train de tuer l'enfant de Maïmouna. Toi, tu penses que si Maïmouna avait son enfant, c'est-à-dire de la manière que tu es actuellement, tu es en train de te parler là, tu penses que si elle avait son enfant, elle allait lutter pour qu'on l'enlève dedans tout de suite là. Mais j'ai comme l'impression que, oui, je veux, ouais, c'est pas facile. Tu as 20 ans champion, tu as 50 ans champion. Maintenant, si c'est quelque chose que tu ne prends pas au sérieux, que tu te dis que non, oui, voilà, moi, de toute façon, je suis venu faire mon témoignage, sinon de le faire, je m'en fous. Mais sache que le jour, ça va être comme pour l'enfant Non, de il m'en fout. Maïmouna. Hein. Voilà, Il le m'en jour que fout ça pas, sera. mais Non, attends, il y a besoin d'exemple. excuse-moi, 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 excuse-moi. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de chercher. Est-ce que tu es conscient déjà que il y a une personne qui a fait les mêmes pratiques là, qui est couchée aujourd'hui, puis sa maman est en train de pleurer sur le live ici. Est-ce que tu veux qu'un Conscient que jour. c'est pas bon, mais je Mais suis est-ce que tu conscient que veux c'est qu'un pas jour tes parents pleurent comme Maïmouna comme ça? Tu veux bon. pas? Mais du moment que le témoignage de Maïmouna même est sorti, tu dois même te poser des questions sur ta vie déjà. Est-ce que je vais finir comme ça? Est-ce que ça va m'arriver un jour? Est-ce que moi-même là, je ne vais pas me mettre là en train de prier pour l'enfant de Maïmouna aussi? Parce que quand tu commences à prier quand tu demandes à Dieu d'avoir une solution pour l'enfant de Maïmouna là, c'est que toi-même là, déjà, mais cherche à ce que Dieu ait une solution pour toi. Parce que tu ne peux pas prononcer le nom de Dieu et puis tu ne sais même pas si tu vas sortir dans ce que tu es. C'est à toi de te décider, tu as 20 ans champion. Nous, à 20 ans, là, nous sommes en train de casser les bétons, on cassait les dalles pour avoir l'argent. Tu sais ce que ça veut dire? À 20 ans, là, nous, on commençait à prendre la route pour prendre la route de l'Europe. Tu comprends? Nous, on avait le sang dans les yeux. On voulait tout faire pour être responsable. C'est-à-dire avoir une femme, avoir un homme. C'est-à-dire qu'on se disait, ah, un jour là, il faut qu'on ait une femme, il faut qu'on ait des enfants. On était prêts à se sacrifier. On partait chercher du travail. On travaillait. Tout ce qui est activité d'homme, on est dedans. On se battait comme on peut. À 20 ans, tu as 20 ans, tu es là, tu t'es. Non, je ne sais pas quelle décision prendre. Non, arrête ça. J'ai pas envie que ça soit comme ça, mais je veux que tu te dises oui. Avec tout ce qui est en train de se passer, tous les témoignages. Il y a ton ami qui est venu ici, il dit, moi, je suis sorti de là aujourd'hui. Il dit, je suis sorti de là aujourd'hui. Mais toi, tu as 20 ans. Mais. Non, lui, il est sorti, mais moi, ici dans ce live, Jean, je veux que vous m'orientez parce que, certes, je prie. On va Je t'orienter. Maintenant, prie. ça va dépendre de ta volonté. Mais il dit, je veux, en fait, je veux. Ok, d'accord. Ok. Donc, maintenant, aujourd'hui, là, dis-moi, tu vis de quoi? Dis-moi. Bon, actuellement, on est en vacances. Je passe bientôt en licence 3 communication. Ouais. Très Mais intelligent en plus. là, je fais rien actuellement. On va constater. Bon, maman a découvert genre un business actuellement qu'elle fait avec mes soeurs et moi je vais les accompagner. C'est tout quoi. Mais c'est quoi? Mais Tu c'est quoi? cherches un taf à faire, tu cherches un travail à faire? Ouais, je cherche aussi de mon côté. Tu veux bosser dans quoi? Bon. Hein? Tu veux bosser dans quoi pendant les vacances là pour t'en sortir? Dans la restauration comme ça. Tu veux bosser dans la restauration? Ouais. Bon, si quelqu'un aujourd'hui te propose de venir travailler
pour t'en sortir. Tu vas partir, c'est ça? Oui, travailler, travailler, c'est Ok. bien. Pourquoi il n'y a pas de travail? Ok. Bon, on va essayer de s'entraider déjà. Comme j'ai dit là, si vous voulez qu'ils viennent à nous,